bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox. Salut Katox. Salut. Alors du coup nous on venait de terminer notre quête et du coup on a récupéré des baisers de sang. Mais on peut pas réveiller le deuxième niveau de Nécrark parce qu'il en faut 6. On pourrait réveiller une autre lignée mais est-ce que c'est bien intéressant? Pour l'instant, c'est pas utile. On a assez de deux armées là déjà, on a du mal à les tenir. Donc, on va essayer d'attendre d'en avoir 6 pour recruter un autre Nécrarque. Et du coup, on passe le tour. D'Abscarbon, on se demande ce qu'il fait. Bah, il a chargé vers les nains. Et vu qu'il y a une petite fumée, il assiège les nains. Avec une armée pleine plus un mec tout seul. À voir. Et j'ai cru voir un fantôme de Scarbrand là disparaître, il n'y a plus de fumée donc je pense que c'en est fini de Scarbrand en fait. Il vient de se prendre une petite fessée de la part des nains. Cela dit, c'est, la corruption de corne monte quand même donc c'est pas sûr. Peut-être pas. Ah non, c'est que ça s'est pas recalculé, c'est moins 7, donc non, il s'est fait défoncer. Par contre, là où c'est l'arnaque, c'est que c'est des unités chaotiques, donc ça me dit pas qu'il y a eu une grosse bataille et que je peux aller ressusciter des trucs, quoi. Ouais, c'est ça, il a plus rien. Il a plus rien, le coquin. Bah du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le défoncer. On va se placer là et quand je le prochain tour, on y va. Toi t'as une armée qui est vraiment faible par contre. Est-ce que je pourrais mettre pour te renforcer un peu? Là on est à 20 sur 20 et là... Un peu de cave, ouais, un petit peu de cavalerie, des ghouls, bof, on va te mettre une horreur. Les charrettes, ça va, on en a déjà largement assez. On te marie bien. Faudrait des unités pour tenir la ligne, mais bon, les guerriers squelettes, ça va bien quoi. Ouais, on va rajouter du zombie. Ça tient mieux que les zombies. Ouais, ça tient mieux que les zombies, mais bon. Alors ici, on peut construire un bâtiment, on peut faire des terrains de chasse, 100 balles et un petit peu de fourrure et moins 20% pour les loups funestes et les vergulfs. Ouais, c'est pas mal. Ça reste moins que ça. Mais ça va peut-être nous permettre d'être un peu plus attractif en termes de commerce. Même si ça m'étonnerait. Lord of Athaloran. Tout le monde me déteste quoi. You need me? C'est impressionnant. C'est la base. Ouais. À part Arcane qui voudrait un pack de non-agression. Même ceux qui me détestaient pas trop, je commençais à être une menace stratégique, alors ils m'aiment de moins en moins. Claquet nous aime un peu mieux, pourquoi? Parce que j'ai fait des trucs contre le royaume des dunes. Ah bon? C'est qui le royaume des dunes? Je sais même pas qui c'est. Bah c'est les Khemri. Bah il me semblait qu'il s'appelait Khemri justement, parce que le drapeau... Ah si, c'est peut-être celui-là, ouais, c'est peut-être ça. Bon, ils ont moins 40 d'aversion. En vrai, ce que j'aimerais vraiment, c'est choper un pacte, mais...
Il n'y a pas moyen. Après, ils sont occupés avec l'Ordre du Savoir et le clan Mordibus, donc avec un peu de bol, ils vont pas nous emmerder tout de suite. Là, on peut améliorer ça, mais pour le coup, ça nous sert strictement à rien. Là, on a dit qu'on garde la croissance, et là, on garde la croissance. Donc, il n'y a rien d'autre à faire, malheureusement. T'en sors de ton côté? Je fais avancer mon héros. Et je vais repartir en mode éboueur des mers. Ah oui, t'as débarqué de Ultuan, tu disais. Ah, je me suis barré et j'ai bien fait parce que. Il commence à devenir assez vénère. Donc je voulais me faire oublier et c'est réussi. De toute façon, ils sont carrément vénères. Hein. Quand on avait débarqué avec Grom, je me souvenais, mais chaque tour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le temps qu'on avait mis avant de réussir à pouvoir prendre pied suffisamment longtemps, tenir des villes et tout. Et encore, on avait les Wags et compagnie, quoi. Ouais. Oui. Avec cet avantage des armées de Wag. Et là, remarque, c'est vrai que maintenant, il y a Enkari aussi qui est sur l'île, donc ça doit les occuper un peu. Bah, si je regarde là, tu peux voir la progression d'Enkari en regardant la corruption là, sur la carte. Ouais, moi je crois que c'est juste grisé, donc je suis pas sûr que je peux le voir. Moi c'est grisé, normalement tu vois. Tu vois que c'est vaguement grisé rose, quoi. Ouais. Ah oui, on voit que c'est ouais, c'est quand même c'est grisé, mais grisé genre moitié dégueulassement veiné là. Ouais, c'est. Ah, il avance bien, hein. Il avance bien. Allez. Premier éboueur des mers, parti. Alors, l'épée de Kane a été récupérée par un elfe noir. À moins que vous ne puissiez la récupérer. Alors, je laisse se démerder surtout. Moi j'ai mon épée maudite, ça me va très bien. La limite, puisses tu le premier, il serait bien avec l'épée de Kane. Mais bon. Le comte désaminé à un petit niveau. Parfait. Voyons ça. Accroître les revenus, ouais, beauf. Maître des morts. Ah, il commence avec ça. Cool. On va prendre la résurrection pour invoquer des guerriers squelettes. Toujours être utile. Et du coup, bah, mon ami Scarband, je crois que c'est l'heure de la guerre. Hein. T'as pas Elle est d'allié? toujours en vie? Bah oui. T'as pas d'allié. Allez. Rentrons sur le territoire. Quatre unités de garnison, quoi. Cette tristesse. Cette tristesse d'être vide des villes chaotiques. Ça, c'est quoi? Un JB? Ouais, ça me va bien, JB. Bon, bah, s'il y a que ça, on va peut-être pouvoir y aller. Séparer les armées, du coup. Allez, on va prendre le risque de séparer les armées. Histoire de l'occuper le plus vite possible, on va dire. Ah, là, il est en train de recruter. Manfred, il va pouvoir avancer. Manfred, mon cher. Ça, c'est quoi? Entretien moins 6, c'est pas mal, hein. Mieux que l'attaque éclair, je pense. Hop. Et Astekil qui n'en finit pas de tuer des ennemis par paquet de 25. Bon, par contre ici ils nous disent qu'il y aura des orques sauvages qui y arrivera de temps en temps. Ah, c'est un point de rassemblement. Ouais. Ah, ça. Point de rassemblement d'orques sauvages. Bah, on va mettre une garnison, hein. Une pile de cadavres, comme s'appelle la garnison. Alors, est-ce qu'on a assez de croissance? Non, bientôt. Là, on est bientôt à 2. Au prochain tour, on aura. Et ici, on cherche à avoir 4. Ah, c'est pas tout de suite encore. Mais on va avoir un petit boost avec notre sphère. Donc, pour l'instant, on n'a pas de bâtiment à construire. On accumule les sous. C'est un petit peu ralenti, mais je pense que c'est pour le mieux. La croissance chez les morts-vivants, c'est quand même compliqué. Alors, on arrive à
un maître de la croissance vampirique quand même. On n'arrive pas à faire tomber la corruption de corne encore. Mais on arrive quand même à mettre un petit peu de corruption vampirique visiblement. Corruption de vampirique de corne. Wow. Ah bah là, il y a corruption du chaos universel, corruption vampirique, corruption de corne. Le squelette berserk quoi. C'est ça. Le squelette berserk en armure lourde. À double H. À double H, avec un troisième bras greffé à l'arrière qui porte une épée. Il y a un concept. Ouf, épée de Ken récupérée par Alariel. Direct quoi. Ah là, moins 50% de délai de renfort de bataille, ça peut aider ça. Alors, est-ce qu'on aurait un truc qui nous donnerait un petit peu de sous? Le sang, c'est du pouvoir, voilà. Plus de revenus, plus de croissance, c'est pas mal ça. Ça aussi, ce serait pas mal. Coup de recrutement. Ah, je peux recruter des morgules. Ah, c'est cool. Je me souvenais pas que je pouvais le faire en tant que vampire. En tout cas, j'ai une tech qui en parle. Après, peut-être que je peux le faire que si je suis moitié vampire, moitié comte vampire, moitié côte vampire. Mais ça, on n'y est pas encore de façon à recruter ça, donc non, je pense qu'on va prendre ce truc. 25% de revenus en plus, et c'est quand même pas mal. Et on peut améliorer la cité Kemari, allons-y. Alors, juste le premier. L'autre, il recrute, là. Qu'est-ce qu'il peut recruter? Des chiens du chaos, c'est tout. Peut-être des sanguinaires. Bats and wolves gather. Bring it all to me. Allez, on n'avance pas en raid, mais au moins on n'a pas d'attrition. I'll take Sigmar's throne. Du coup, non, la corruption empirique, ça monte pas. Il est trop fort. Le dernier truc, c'est la gorge de la mort. Qui a pour le coup une garnison un peu plus nombreuse, mais c'est pas non plus monstrueux. La vache, elle fait mal là. La corruption de corne, purée. Y a pas d'armée à portée, donc on va se permettre de marcher en marche forcée pour avancer plus vite parce que c'est tellement défoncé là. Faudrait qu'au prochain tour on tombe là-dessus et qu'on se reforme parce que c'est la pitié sinon. Alors ici, on peut améliorer ça. Gagner 50 pour 1000, ouais, bouf. On est d'accord que là, niveau commerce... Ouais, voilà, on exporte 75% quoi. Donc on passe le tour. On garde la thune. Ouais, l'option de la moula. Voilà, exactement, l'option de la moula. Je me demande si j'aurais pas mieux fait d'avancer ici, parce qu'il est quand même en train de recruter, mais s'il recrute de la merde. Ouais, je pense que je vais refaire là. Puis je suis le premier, il a pas une armée de fous non plus, quoi. Et les ghouls décryptes, certes, ils tapent vite avec leurs bras. Leurs bras squelettes comme massue là, mais ça traverse pas trop les armures, les bras tout morts. Ah ça, pour les nains, t'as intérêt à avoir du perce-armure, hein, et pas qu'un peu. Bah même pour Khorne, hein. Enfin pas toutes ses unités, mais... Ouais, c'est vrai que... Dès qu'il sort les mecs, les maraudeurs de Khorne en armure rouge vif là... Putain, pour les passer eux... On va prendre un petit regard de Nagash, tiens. Ah. Oh, les errants de Bordelot. Ça y est, tu débarques en Lustrie.
Yep. T'attaques direct la capitale? Je sais pas. Tu seras en victoire de justesse? Moi, je sais pas pourquoi. Attends, moi Crois qu'il m'explique pourquoi. je suis obligé de Parce rejoindre qu'ils ont. Bordeleau avec la série d'Albéric là, mais j'y crois pas trop quand même à la guerre de justesse là. T'avouer, mis à part avoir l'intervention de The Lady, t'as pas trop de chance, quoi. C'est clair. J'imagine qu'en plus, ouais, voilà, je me trouve, je sors quoi, je combien même pas sur le. Ah, puis t'as la reine Bess qui est venue, ça a invoqué une reine Bess. Ouais, non, mais. T'as même pas besoin d'avancer quoi. Non, c'est ça le truc en plus, c'est que j'ai pas besoin d'avancer, c'est je fais ma ligne et je t'attends. Allez, t'as peut-être les flèches empoisonnées qui pourront m'ennuyer un peu. Ouais, enfin, elles vont tuer quelques zombies quoi, mais. C'est ça. Il n'y a aucun moyen que je fasse des dégâts à tes unités, qui à tes vraies unités, quoi. J'adore le décor des maps, je trouve toujours super beau. Ouais, Oh, et ils sont. en plus, je suis en hauteur par rapport à toi. Non, mais je pense que la victoire de justesse, c'est vraiment parce que. Il doit y avoir une unité, tu vois, qui arrive à 50% de vie. Donc quand t'es à 50%, au moins une unité à 50% de vie, c'est de justesse, quoi. C'est tout. Mais ouais, même réussir à tomber à 50%, ça me paraît tendu même. Je pourrais regarder enfin la tronche de mes unités spéciales, à quoi elles ressemblent. Les épaves réanimées là? Non, c'est des artilleurs pirates. Ah, des artilleurs pirates de renom. Ouais. Hop, toi, on va te mettre là. Genre, tu planifies Toi. ça précisément, quoi. Ah, je. Voilà. Quick now! Quick march! On va devoir retirer la reine Bess. Bim! Gros bloc. Empreinte monstrueuse, vitesse moins 60 quoi. Oh les un boulet, les mecs ils sont en déroute, ils s'enfuient quoi. Merci les paysans quoi. Non. Oh la vache. C'est la reine Bess qui fait ce truc là? Ouais, c'est la reine Bess. Oh putain. J'ai les artilleurs Si mal au qui cul. partent faire. Alors Les c'est artilleurs ceux-là qui partent faire les. n'importe quoi. Ouais, je suis en train de me dire, tu fais quoi avec tes artilleurs là? Bah oui, mais voilà. Ah, Ils font des trucs et... ils ont une petite baïonnette. Juste au cas où. Mes troupes ont découvert des ennemis cachés. Oh non! C'est terrible! No, force de Lady. What is going to happen? Force de Lady! Oui, mes paysans se reforment! Demi-tour, les gars! War. Stratégie simple et efficace, on charge dans le tas et on meurt. C'est une stratégie comme une Ah, y'a autre. Nono le Molosse. C'est un truc unique ou tu l'as nommé comme ça? Non, c'est moi qui l'ai nommé. Nono le Dès que j'ai Molosse. des chiens, je l'appelle tout. Je n'ai plus toujours un Nonos le Molosse. Selon les shops. Ah mais je les avais attrapés là, ceux-là, c'est abusé. Oh là là. Ah mais maintenant ça carrément ça prend feu quoi. Tiens, genre la reine Bess, il y a encore moyen de s'énerver encore plus quoi. Poudre supplémentaire. Si t'as la munition au-dessus de 80%, il fait encore plus de dégâts. La violence. Ouais, bah. Ouais. Bah, victoire de justesse, faudrait pas abuser quand même, quoi. Attaque!
Même les boucaniers pirates, on leur a rien fait quoi. Run them through, bah oui, mais vas-y, run them through, mec. Faut surtout pas te gêner. Les mecs, ils se reforment à 10 mètres de tes lignes, quoi. N'importe quoi. Voilà. Ah, mine de rien, ils sont quand même reformés plusieurs fois, hein, mais. Ouais, je vois pas la défaite de justesse. Non. Moi non plus, vraiment pas. 24 pertes, quoi. Et encore, c'est parce que tes mecs, ils ont fait n'importe quoi à courir devant et que j'ai pu leur tirer dessus, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ah là, mais même le vieux zombie à arme d'as, il a fait des dégâts, quoi. C'est abusé. Ouais, mais il me le mettait en deux justesse et il me mettait les deux épaves out. J'étais là, excusez-moi, mais... Les deux épaves, hein, carrément. Ouais, les deux épaves même out. Même si j'avais réussi à caler les lanciers dessus, il y avait aucun moment où ça pétait, quoi. Bon après, comme il disait, hein, ils ont rééquilibré les batailles auto pour que le joueur ait plus envie de les faire. Donc ça s'entend quoi. Bon, là il est en train de recruter encore un peu. Oh putain, mais il le sort d'où son guerrier de chaos de corne à Albarde là? Il y a pas ce genre de bâtiment? Ah si, là il y a, ok, autant pour moi, c'est dans la même province. Bon, on va avancer. Stop. On va avancer, mais pas non plus pour être à portée de la. Si on peut l'éviter. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait de la merde là. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche. De toute façon, l'objectif. C'est de choper ça. Ouais. You take leave of your senses. Ah, à débloquer le banquet du crépuscule, des ghouls des cryptes. Alors, ouais, c'est pas ouf. On va prendre ça. Toi, tu prends ça. Toi t'as pris deux niveaux, ben c'est parti pour la résurrection plus. Ouais. Voilà, au moins ça va casser son recrutement à lui. Ça fera pas de mal. Ici, on n'a pas encore ce qu'il faut. Du coup, j'en crame. Ouais, non, j'en crame deux là. C'est pas intéressant. Par contre, ici, du coup, on peut se permettre maintenant. Alors, c'est qui le plus rentable? Qatar ou Numas? Non, ou les sources de la vie éternelle. Les sources de la vie éternelle. Plutôt là. Hein. On va vouloir une garnison ici, je pense. Bâtiment endommagé, ah oui on a pris ça. Exact. Alors attends, du coup les bâtiments. Ça fait de la croissance, admettons. Ça par contre, non merci. Surtout déjà là on est dans du climat désagréable. Derrière c'est du scaven ça, mais on va pas aller chercher, on s'en fout.
prendre ce truc. Putain, il a encore de la réserve, Scarborn, il a un sacré territoire. Hein. Plus 23 de corruption du chaos universel. Ah oui. Technologie, personnage, bâtiment. Ok, ok, ok. On passe le tour. On va voir si notre petite erreur à gauche va avoir des conséquences. Moi, je pense pas. Mais... Il est toujours pas mort. Qui ? Scarman ? Ouais. Ah non, non, il a encore deux cités majeures. Une cité majeure au moins. Ah non, non. Il est... Je pensais que... Non, non, moi aussi, je pensais qu'il avait genre une petite province avec deux villes dessus. Mais non, non, il avait une province complète qui faisait tampon. Et derrière, il y a encore d'autres trucs. Ah, Quick qui m'approche. Il va pas dans l'agression, Quick. Ça me va. Je prends. Si j'ai aucun doute que il va le trahir à un moment. Pour l'instant, j'ai pas particulièrement envie d'aller chercher tes villes en plein milieu de nulle part. Torek, par contre, toi, tu veux que je te file 1000 balles en cadeau ? Il m'a envoyé une menace. Rejeter cette offre déclenchera une guerre. Ça, ça m'emmerde. J'ai vraiment pas envie d'être en guerre contre eux, j'ai rien à faire chez eux. Ça casse les roubignoles. C'est pas du tout mon objectif d'aller par là. Mais je vais refuser quand même. Ah. J'avais bien semblé sur la carte qu'il était là, mais du coup il est vraiment là. D'accord. Et bah... Ça va être le décès potentiel alors. Et c'est le décès. Il était sorti de sa montagne, il s'est jeté sur mon armée qui venait juste de faire tomber la ville principale de Scarbrand. Rébellion imminente ici en plus. Bah s'il y a une rébellion qui se... Mais sérieux, les bâtiments endommagés totalement gratos quoi. Comme si c'était le moment de m'emmerder avec ça. Bah il va falloir qu'on investisse dans un petit mur hein. Alors, éventuellement, est-ce que t'accepterais une paix si je te filais 1000 balles finalement? Non. Non hein. Bon, regarde bah. Un petit peu d'argent. Ah du coup, ouais, vu comme ça, c'est sûr que filer 1000 balles, c'est tentant quoi. Ouais, j'ai zéro garnison, mon armée elle a pris bien cher. En plus il prend pas d'attrition, je sais pas comment, alors que normalement il y a 97 de corruption de cornes. Bah je crois que ouais, non, l'armée de Manfred, c'est la fin. Hein. Y a pas moyen de tenir, y a pas moyen de gagner ça. Hein. Ouais non, c'est mort. Ah, fait chier. Je pensais pas que l'IA ferait un truc du genre une menace et tout quoi. J'avoue là. Bon, au moins on gagne à gauche. La question se pose pas. Not a one of us will bow. Tu es parti faire je ne sais quoi, je ne sais où. Mais non, bah là, on va voir. Hein. Peut-être que s'il lance l'assaut et que les murs sont pas trop pétés, on pourra faire des trucs. Ouais. Pff, ça va être ingérable quoi. On va se faire dépouiller. Non, j'avais dit que ça m'arrangeait pas de faire la guerre, et ben j'avais raison, j'aurais dû payer. C'est tant pis pour moi. Ouf,
pas le coup. Alors là, du coup, bon, on a un ordre, mais ça va pas durer longtemps. Prendre ça. La rébellion imminente, à la limite, ça pourrait aider si elle saute dans, tombe dans le dos de Torek là. Et on n'avait pas besoin d'un front de plus de ce côté-là. Surtout un front nain. Alors la rébellion est bien ici, donc ouais, on va voir, ça pourrait peut-être aider. Peut-être le temps de ramener une armée. J'y crois pas vraiment, mais bon. Bon, puis bah du coup, Quick, il va taper aussi dessus. Arcane, tu veux quoi? Un pack de non-agression? Bah, toujours pas. Ah, il m'attaque. Défaite écrasante. Bah, défaite décisive, on est sur une colonie qui a pas de mur, on a un tout petit ravitaillement, nos troupes elles sont quasiment mortes. Il faudrait la faire en vrai parce que c'est la seule chance de sauver un peu Manfred et tout, mais. Non, y a aucun moyen qu'on gagne cette bataille, tant pis. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah, Alberic, Alberic, il est déjà sur sur Griffon. Ah, il va être un petit peu plus chiant à faire tomber. Bon, il va falloir qu'on monte une armée pour faire tomber Torek, ça va être compliqué. Astekil est blessé, le comte des Aminés est mort, je suis désolé, comte. Manfred est blessé. Et puisses-tu le premier à gagner un chat noir? Très bien. C'est parfait. Oh, l'autre il s'est foutu juste hors de portée encore, c'est chiant ça. Bon, alors, toi, tu casses les roubignoles. Faut dire les choses crûment. Ou dire les choses comme elles sont. Attends quoi? Astekil, mais Astekil il est pas déjà revenu? Ah, il est déjà revenu Astekil? Non, il est blessé. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, il est blessé, ok, c'est ça. Ouais. Il apparaît dans mon dans ma zone de niveau, mais il est pas du tout en état de faire quoi que ce soit. Alors la question c'est, est-ce qu'on relève une armée tout de suite? Non, il est hyper loin, il va lui falloir des plombs pour venir jusqu'à nous. Lui on va essayer de s'en débarrasser pour être tranquille de ce côté là, mais il va se barrer. Non, non, même pas. Parfait, allez hop. Ça c'est fait, on prend la reconstitution. Dédé le Maccabé gagne une monture. Bon, plus tu le premier, il a encore du potentiel. Là, son armée est un peu merdique. Hein? On va pas se mentir. Mais il a encore du potentiel. Déjà, on peut prendre
petite goule d'écrypte de renom. Puis on va essayer d'aller se mettre en défense de ce côté-là, là, en se disant que c'est Quick qui va s'occuper de Scarbrand, du coup, ça fait chier, mais bon. C'est comme ça. Ah, ici on peut améliorer le port. C'est pas mal. Puis du coup, vu qu'il faut qu'on investisse, on va améliorer ça. Par contre, on va arrêter l'épisode là, si t'as à peu près terminé ce que t'avais à faire. Ouais. Parce qu'il est suffisamment long. J'espère du coup qu'il vous a plu. On verra comment s'en tire l'an des prochains. N'hésitez pas à laisser un petit message et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Salut.